Madame, monsieur, bonsoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous savons tous les vendredis soirs à partir de 21h30 assis devant vos écrans pour le round-up de l'actualité sportive de la semaine au Cameroun. C'est Horizon Sport, le rendez-vous du sport, rien que du sport, mais alors tout le sport pendant près de 90 minutes d'horloge. On fera évidemment, comme je l'ai dit, le tour de l'actualité sportive nationale. D'abord, évidemment, avec le scandale Olembe, vous l'avez compris, des échanges, la guerre épistolaire entre le ministère de l'éducation physique, le ministère des Sports et de l'éducation physique et l'entreprise canadienne McGill autour de la construction non achevée du stade Olembe. On parlera évidemment du tournoi zonal UNIFA qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations des U17 qui a débuté depuis hier du côté de Limbé avec le scandale des faux âges, tout comme on ira également voir ce qui on fera le bilan de la préparation de Lyon Aprime qui vont participer au 7e championnat d'Afrique des Nations qui a débuté ce jour d'ailleurs avec le match inaugural qui se joue en ce moment entre l'Algérie et la Libye. On y reviendra évidemment sur la compo, la liste évidemment, les joueurs retenus par le coach Alioum Sidou pour prendre part à ce 7e championnat d'Afrique des Nations. Tout comme on parlera évidemment de la liste retenue chez les Lions par Gabriel Szabo Toze, les Lions qui vont disputer ces barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2000, Coupe du Monde en version féminine qui se jouera en Nouvelle-Zélande et en Australie en 2023. Sur le plan national, on va y rester avec évidemment la triste dans les différentes fédérations civiles nationales avec les assemblées générales électives, un pipon entre le ministère des Sports et ces différentes assemblées. Là, on en parlera évidemment dans ce programme avec nos invités qui vont nous en édifier un peu plus, tout comme on ira voir évidemment ce qui s'est passé lors de la 8e journée du championnat national MTN Elite qui s'est disputé en semaine et bien évidemment la 9e journée qui est annoncée pour ce week-end samedi et dimanche. Évidemment la Guinée Super League reprend ses droits à la saison 3 demain samedi avec les matchs programmés pour la première journée, le Guinée Sico notamment. On en parle dans ce programme avec des invités des hauts vols, je l'ai dit. On parlera des fédérations sportives civiles, nationales et un qui est... Il était déjà avec nous d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques semaines encore. Il était candidat à la Ligue régionale du littoral. On parle là des natations. Il était là et il avait présenté sa candidature. Monsieur, je peux vous dire qu'il a été élu. C'est un président, le président de la Ligue régionale de natation pour le littoral qui est avec nous sur ce plateau. Il est non seulement président de la Ligue régionale, mais deuxième vice-président national de la Fédération camerounaise de natation. Monsieur Massé Richard, je voudrais dire, président Massé Richard, bonsoir et bienvenue, président. Bonsoir à vous tous, bonsoir au panel. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On le disait, je le disais tantôt, vous étiez là il y a quelques semaines avec votre programme. Aujourd'hui, vous êtes président de la Ligue régionale, mais également l'un des vice-présidents sur le plan national. Oui. Ouais. Bon, c'est que après avoir passé par ici, là, et toutes les tracasseries de renvoi des élections, on a eu enfin le 7 décembre... On a eu les élections à la direction régionale de littoral du sport et physique à Boulandio. Et enfin, les élections sont passées dans les normes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tout. On va revenir sur ces élections-là. Si chez vous, ça s'est bien passé ailleurs, ça ne se passe pas comme il faut. Notamment, voilà, on va parler de la. Je parlais des différentes fédérations où il y a du RFIFI, la fédération camerounaise de boxe également, voilà, représentée ce soir sur ce plateau. On l'a dit, Horizon Sport, c'est le tour de toutes les disciplines, on fait la part belle à toutes les disciplines sportives, la boxe. Et pour en parler ce soir, nous avons M. Bobby Tida. Bonsoir et bienvenue. Merci de m'avoir invité sur le plateau pour édifier l'opinion camerounaise en ce qui concerne les assemblées au niveau de la Fédération Camerounaise de Boxe. Ah là, ça se passe pas bien.
Ça se passe bien, moi je dis ça se passe bien parce que la commission électorale indépendante qui a été élue est en plein travail. Malgré que le bureau sortant est en train de mener des manœuvres pour pouvoir la déstabiliser. Voilà, qu'à cela ne tienne. Ça se passe pas bien. Quand ça se passe bien, ça coule comme l'eau de roche. Là. Voilà, le bureau qui est en place accepte volontiers qu'on organise les élections et s'ils ont perdu, voilà. Mais à partir du moment où le bureau sortant essaie de mettre les bâtons dans les roues, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. De toutes les façons, on en parlera. Hein. On en parlera dans ce programme. Merci d'ailleurs, vous êtes parti de Yaoundé ce matin pour prendre part à ce programme. Effectivement, c'est pour essayer d'éclairer l'opinion publique sur ce qui se passe au niveau de la Fédération camerounaise de boxe, leur faire comprendre que nous sommes dans la voie du changement et il faut que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà, on en parlera. J'appelle que vous êtes un ancien boxeur. Ouais. Voilà, aujourd'hui, vous voulez bien apporter votre contribution à la bonne marche du noble art, comme on l'appelle. Et avec nous également sur plateau, c'est un habitué de la maison, c'est un enfant de la maison d'ailleurs. Ai-je besoin de le présenter, reporter international, voilà, grand journaliste. Lui, c'est Narcisse Oum. J'aime bien l'appeler président. Il fut mon coach. Alors, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Bébel, bonsoir, copanéliste. Félicitations au président régional de natation. Merci. Simplement, j'aurais voulu vous dire un mot parce que ce qui se passe à Equinox, c'est la bonne matière. Ça en sort toujours à l'extérieur parce que je suis un exemple. Et si vous êtes passé ici faire la campagne, vous voyez aujourd'hui, vous êtes président. Je voulais aussi dire pareil pour le copanéliste qui est assis, parce que je maîtrise la boxe, hein, Bertrand Medoga. J'ai fait Bessala chez lui, le dernier reportage. J'ai fait son jubilé à Yaoundé à l'époque, quand je travaillais à TV Mass, avec la bénédiction de Maître Sissima, Majesté, aujourd'hui. Okay. Donc je maîtrise vraiment la maison, on va en parler. Il dit le fait que vous soyez déjà là, je suis d'accord pour le changement, ce n'est plus la même personne qu'on a à l'époque qui était trésorier payeur, mais aujourd'hui, je pense tout simplement que le fait de passer sur Equinox, on pourra au moins rester optimiste face à ce changement. Voilà. Merci président d'être venu. Je vous appelle président. C'est moi qui vous dis, vous me remerciez, je vous remercie encore. Allez, il est consultant permanent, hein, voilà, sur la télévision du peuple, sur Equinox Télévision. Maintenant, pour ce qui concerne le sport, c'est M. Clément Zeko qu'on n'avait plus, qui nous a manqué hein, depuis quelques semaines. Depuis le début de l'année, on ne vous a pas vu. Bonsoir, coach. Bonsoir, M. Jaka, une fois. Bonsoir, Belmondo, Sa Majesté. Ouais. J'ai dit bonsoir aux copanélistes, à l'ensemble des téléspectateurs. Les raisons pour lesquelles nous n'avons pas été là pour un moment, c'est, vous le savez, il y a des malheurs qui nous ont malheureusement frappé. La catastrophe ou bien l'éboulement de Damas m'a extirpé un frère et sa femme et un ami, un collègue aussi. C'était en pleine Coupe du Monde. En pleine Coupe du Monde. Et puis les raisons, cette survenue catastrophique est de nature à un peu déstabiliser le programme. Ensuite, bon, il fallait sortir de la Coupe du Monde pour venir pour l'émission. Une fois que nous avons essayé de nous séparer de cette douleur, nous sommes là. Et comme au-delà de l'image, nous allons rendre compte. Nous allons évidemment en rendre compte, mais puisque vous évoquez la catastrophe de Damas, comment commencer cette émission sans avoir une pensée pour ce Lyon qui nous a quitté il y a quelques jours, le champion olympique. Vous comprenez de qui je parle, Modeste Mbami, qui nous a quitté samedi dernier. Voilà, on parle d'arrêt cardiaque, voilà, même si ce n'est pas de manière officielle, hein, voilà, parce que là, mais on parle de... Oui, mais il faut là aussi dire que ce journaliste qui a fait ce papier, c'est un gars de bonne moralité, William Tiango. Il n'est pas dans le journalisme de rue, donc je donne plus de crédit par rapport aux autres personnes, donc je pense tout simplement que, attendons voir. Si c'est avéré que celui que moi j'ai connu dans la Dynamo des Douala, que j'ai côtoyé pendant la CAN 2008, grâce à Equinox au Ghana, j'ose croire qu'on pourra comprendre de quoi est décédé vraiment ce très très bon joueur. Ça, je vous le rassure.
Mais continuant sur, vous avez demandé de dire un mot, évidemment, sur ce joueur, sur celui qui nous a, on peut le dire, hein, offert le titre olympique, parce que ce but somptueux, magnifique, c'était encore à l'époque de la mort subite, on s'en rappelle, c'est ce but contre le Brésil, alors qu'on était dominé, hein, largement dominé par le Brésil, et ce but libérateur de Modeste Mbami, ça reste encore gravé dans la mémoire de tout Camerounais. Oui, Modeste Mbami m'a marqué un peu plus avant cette rencontre, parce que souvenons-nous qu'il a été à la Kadiswa Academy pour un bref instant, mais surtout dans la Dynamo. Avec la Dynamo de l'époque, là, on a vu une équipe qui était portée de main de maître par ce milieu de terrain, hein, très très présent, hein, dans, par sa capacité de jeu et la création qu'il avait de donner, de relancer ce jeu. Ensuite, on l'a vu partir Marseille, Paris Saint-Germain, et de revenir à l'équipe nationale du Cameroun avec cette cuvée de joueurs, hein, qui nous ont donné beaucoup de joie. On ne parle pas, pour ne pas le répéter, lors de cette finale contre le Brésil. Vraiment, véritablement, ce match contre le Brésil, je vais dire, parce que c'est le match contre le Brésil, c'est avant. La finale, c'était avec l'Espagne, je pense bien. Modeste Mbami a été d'un apport capital. Véritablement, on a eu le cœur meurtri, hein, d'écouter et de comprendre qu'il nous a quittés, très jeune, 40 ans. Bon, si telle est la volonté du Seigneur, qui peut s'y opposer, personne, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Voilà, Bobby, un mot pour ce Modeste. Oui, c'est un choc vraiment pour le peuple sportif camerounais de perdre un très grand joueur. Le nom de Mbami Modeste, on l'a vu évoluer, c'est un très bon joueur. Aujourd'hui, il nous a quittés. Nous ne pouvons que l'accompagner et dire Dieu, que la terre des ancêtres soit fertile. Alors, qu'il repose en paix. Voilà. Massé, Mbami, vous l'avez vu évoluer aussi. Oui, je l'ai vu évoluer, mais pas trop, puisque moi, je ne suis pas trop dans le... Trop fan de foot. Oui, oui, oui. Ouais. Fan de foot. Voilà, il était ça a été, dans les piscines. Oui, j'ai quand même compris de ce qu'il a fait pendant les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques 2000, là, à Sydney. Il a quand même prouvé. Donc. Voilà. Ah, de toutes les façons, on s'incline. Hein. Oui, on s'incline, c'est bon. Grand homme. Alors, celui qui aura apporté beaucoup au Cameroun en matière de football. Alors qu'on s'acheminait donc vers un bras de fer entre le ministère des Sports et Éducation physique et l'entreprise canadienne McGill, les deux parties finalement ont décidé ce jour de fumer le calumet de la paix au terme d'une visite conjointe MINCEP-McGill au complexe d'Olembe. Ce jour, l'entreprise s'est engagée à reprendre les travaux le lundi 16 janvier prochain. Le compte rendu de la rencontre de ce jour, c'est avec Cyril. Après la guerre épistolaire, place au travail. Le MINCEP et McGill sont à nouveau sur le chantier du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Nous sommes là aujourd'hui pour réitérer à l'entreprise McGill la volonté du président de la République de faire en sorte que ce projet aboutisse dans son entièreté et l'urgence et la nécessité pour elle de reprendre les travaux dans le cadre du contrat. Parmi ces travaux, il y a ceux de la phase 2, comprenant notamment la piscine olympique, les courts de tennis, les terrains de handball, de volleyball et de basketball. Des travaux que McGill doit rapidement entreprendre. L'on a voulu d'Olembe comme un complexe sportif unique en son genre en Afrique, avec un hôtel, avec un centre commercial, des salles de cinéma et une deuxième composante intégrant une piscine olympique, un gymnase où des sports de main peuvent se pratiquer, le handball, le basketball, le volleyball, où également on puisse trouver des cours de tennis. Mais comme s'il s'agissait d'un dialogue de sourds entre les deux parties, McGill estime qu'elle a besoin de temps et d'explications afin de comprendre grand-chose de ce projet. McGill a hérité de ce projet-là et n'en est pas le concepteur. Nous avons tout simplement demandé
au gouvernement et au ministre des Sports d'avoir des clarifications sur ce qu'ils attendent suivant le cahier des charges qui a été préétabli. On ne doit pas commencer pour casser ou se remettre en attente. Ce projet-là arrivera au bout, c'est l'engagement qui a été pris par l'entreprise et c'est l'engagement qui a été renouvelé entre le gouvernement et Maguil, le partenaire de l'État du Cameroun, sur l'accomplissement de ce projet-là. En attendant le redémarrage effectif des travaux, des réunions se succèdent afin de clarifier d'autres malentendus. Ça fait un an qu'après cette magnifique canne, chaque chose a pris des dossiers différents, des priorités différentes, sur différentes réunions pour pouvoir résoudre différents problèmes qui ne sont pas des points majeurs et bloquants. Les questions d'argent ont été la principale pomme de discorde entre Maguil et l'État du Cameroun. L'entreprise canadienne accusant les pouvoirs publics d'avoir failli à leurs obligations financières. Faux, rétorque le MINCEP. Nassis Mouelekombi martèle que l'État du Cameroun a de tout temps été bon payeur. Le gouvernement du Cameroun est un gouvernement responsable. L'État camerounais est un État sérieux qui honore ses engagements. Et dans le cadre du contrat, question, les engagements du Cameroun sont honorés et seront toujours honorés. Dans ces conditions, peut-on vraiment dire que le ciel est désormais sans nuages entre le MINCEP et Maguil? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Toujours est-il que les deux, hein, Maguil et puis le MINCEP, se sont rencontrés. Maguil qui a décidé donc de reprendre les travaux le lundi 16 janvier prochain, mais sous condition, parce que le ministre des Sports et de l'Éducation vient poser certaines conditions justement à Maguil. Mais revenons d'abord sur l'historique justement de ce stade olympique. Comment en est-on arrivé à ce scandale? On refait le point avec toujours Aïchiri. C'est désormais une partie de ping-pong entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et Maguil Construction Corporation. Tout commence le 3 janvier dernier, dans une correspondance adressée au secrétaire général des services du Premier ministre, le MINCEP, fait savoir que Maguil a décidé unilatéralement de rompre le contrat le liant à l'État du Cameroun et relatif à l'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe. Le MINCEP dit qu'il s'agit en réalité d'une fuite en avant. L'entreprise canadienne ayant été incapable en 2 ans de mener les travaux malgré la somme de 42 milliards de francs CFA déjà perçus. Le 9 janvier 2023, Maguil Construction Corporation répond aux accusations du MINCEP. Dans un courrier adressé également au Premier ministre, Maguil justifie la résiliation du contrat par des manquements contractuels du MINCEP ayant contribué à mettre en péril le projet. Pendant que nous sommes à l'entame de l'année 2023, écrit l'entreprise, Maguil et les sous-traitants n'ont reçu aucun paiement des factures pourtant validées par le MINCEP depuis juillet 2021. Et même si Maguil a décidé d'arrêter les travaux, l'entreprise dit avoir pris part ces derniers jours à des rencontres avec les plus hautes autorités à Yaoundé en vue d'un règlement à l'amiable appelé de tous les vœux. Maguil serait-elle prête alors à reprendre les travaux à Olembe? C'est ce que croit comprendre en tout cas le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et si tel était le cas, le MINCEP, dans une nouvelle lettre adressée cette fois au vice-président des opérations internationales de la société Maguil Construction, pose des conditions. 1. Maguil doit justifier l'utilisation des 42 milliards de francs CFA mis à sa disposition. 2. Maguil doit reprendre et achever les travaux de l'hôtel 5 étoiles de 70 chambres. 3. Maguil doit lancer les travaux de la phase 2 du complexe sportif d'Olembe. 4. Maguil doit proposer un délai de remboursement du prêt de 4 milliards de francs CFA qui lui a été accordé. Faute de remplir ces conditions, il ne sera pas possible pour Maguil de revenir sur le chantier d'Olembe. C'est ce qui transparaît en tout cas de la nouvelle réaction du ministre des Sports et de l'Éducation physique après la sortie de Maguil. Voilà, on comprend donc que si Maguil a décidé de reprendre les travaux pour lundi 16 janvier, c'est que Maguil s'est plié donc aux conditions formulées par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, comme vous l'avez compris, dans ce reportage de Aïe Cyril. Mais je veux d'abord me tourner vers vous, Narcisse Home. Oui. Vous avez suivi, hein?
qui a suivi, je suis et je suis tous les jours. Mm-hmm. Puisque je suis aussi via. Évidemment, les, évidemment, vous êtes dans sociaux. Le sport. Et... Oui, mais il faut comprendre ici que Makil joue un faux jeu. C'est un faux jeu parce que selon le communiqué du ministre de l'Éducation physique et des sports, c'est avéré que Makil a encaissé 42 milliards de francs CFA. Et les 42 milliards de francs CFA, c'est pour éponger la première phase et l'avance de la deuxième phase des travaux. Quand vous consommez déjà l'avance pour un travail, vous devez le faire. C'est là où il y a problème. La première phase a été payée. Quand vous parlez de 42 milliards, je dis bien, c'est l'avance. On éponge la première phase et maintenant, on entame une avance pour la deuxième phase. Ils ont, via les réseaux sociaux, comme d'habitude, depuis un certain moment, ils ont préféré balancer les communiqués. Et le ministre a pris sur lui de faire le même. En tout cas, le ministère, on se rend compte ici, a pu aussi rendre la pièce en publiant, en faisant un communiqué détail par détail, pour dire que, comme vous avez pris les 42 milliards et que vous avez maintenu de vous désengager ce 5 janvier, il n'y a pas de souci. Si vous voulez reprendre la construction via les travaux du Lembe, ce qui vous reste à faire, c'est de retirer la première lettre envoyée au secrétaire général à la présidence. Ouais. Il s'est avéré ce matin que, sauf les montagnes ne se rencontrent pas, c'est les humains. Il y a eu un consensus, ils ont été sur le terrain. Makil a accepté de reprendre les travaux sous condition, il met sous condition. Évidemment, on a cité les conditions. Énumérées ci-dessous, lundi, le 16. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est Makil qui joue un faux jeu. Parce que pourquoi donc avoir arrêté les travaux? Pourquoi avoir sommé l'État? Pourquoi avoir traité l'État de gangster? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas traiter un État de voyou, de gangster, et en même temps vous acceptez continuer à dealer avec le même État. C'est qu'il y a un problème. Quand vous suivez, comme vous avez vu tout à l'heure, le ministre a fait une sortie à Olembe. Il a bien précisé que l'État, quand l'État s'engage, l'État respecte ses engagements. J'aurais voulu que Makil, après sa prise de parole, puisse nous dire les 42 milliards que nous avons donnés, comme nous aide Rémi, pour la phase 2 de ces travaux, nous n'avons jamais perçu cette somme. Malheureusement, le directeur vice-président de Makil n'a pas pu dire à la presse s'il a reçu les 42 milliards ou il n'a pas reçu. D'abord, on ne peut pas vous demander de justifier. Oui, mais maintenant, non. Le ministre a été. Vous voyez pourquoi la sortie du ministre m'intéresse. Il a demandé. Vous savez, c'est l'argent du contribuable, c'est votre argent. On a remis 42 milliards à Makil. On a demandé à Makil de justifier cette somme. C'est de ça qu'il s'agit, justifier. Et c'est normal. Puisque ce n'est pas Makil qui devrait, via les réseaux sociaux, mettre l'État du Cameroun, un État comme le Cameroun, en tort ou bien en faux. Donc je pense tout simplement que la paix est brave. Mais moi, à la place de l'État, nous devons porter plainte à Makil d'avoir manqué de respect à notre gouvernement. C'est inadmissible. Voilà. Coach Clément Zeko, vous avez suivi cette actualité de bout en bout. Vous avez écouté l'intervention de Narcisse Poum. Dans cette affaire quand même, parce que le ministre, c'est le ministre qui fait une première sortie. C'est le ministre d'abord parce que depuis la CAN, depuis un an, Makil a abandonné carrément le chantier, prétextant évidemment, bon, selon le courrier, selon Makil, l'État camerounais n'aurait pas ses engagements. Ok? Voilà. Et là, le ministre sort et dit, c'est le ministre qui dit, il y a 42 milliards sur 55 milliards. Et vous n'avez même pas réalisé le taux de financement est bien plus élevé que les travaux effectués sur le terrain. Et puis, il y a eu un prêt par la suite à Makil qui a demandé un prêt à l'État parce que Makil qui se plaignait de ne pas avoir de l'argent pour financer le projet. Et puis, il y a les sous-traitants qu'on oublie derrière. Et d'ailleurs, le ministre a demandé que Makil gère le problème de ces sous-traitants-là. Alors, quand vous écoutez ça, vous pensez que ça a été c'était un sabotage de la part de Makil ou quoi? Bon, au départ, j'ai comme l'impression, j'aurais la faiblesse de croire que c'était un marché de dupes. C'est un marché de dupes parce que je suis très ébahi par la vitesse de réaction
de part et d'autre. Mmh. Quand on sait que l'accusation formulée par McGill laissait entendre que l'État de Cameroun n'était pas en train d'honorer ses engagements et que bon, pour pouvoir continuer, il fallait que ces engagements soient réalisés. On se serait donc attendu qu'on nous dise qu'effectivement le Cameroun a payé, que McGill lui-même nous dise que ok, d'accord, on nous a payé ce que je demandais. Maintenant, je vais reprendre. Et de la part du ministre du Sport et de l'Éducation physique, bien sûr, maître d'ouvrage, il doit pouvoir se rassurer que ce pourquoi l'argent du contribuable est sorti est réalisé conformément aux accords qui ont été établis entre les différents parties qui prennent part à cette activité, notamment McGill, parce que McGill hérite de Bitini. Non, nous n'oublions pas qu'au départ c'était pas McGill, mais que McGill est venu en sapeur-pompier pour sauver une situation qui était périlleuse et qui a laissé un moment vaciller. Aujourd'hui on parle du stade, du complexe. Au départ on parlait du complexe d'Olembe. À un moment donné on disait que c'était pas terminé. Beaucoup de gens ont fait des sorties pour démontrer qu'effectivement même l'hôtel dont on parle là était déjà sorti de terre et que ça se trouvait sous les tribunes. Sous les gradins. Sous les tribunes. Évidemment, on vous comprend. On dit que c'était sous les tribunes. Ouais. Maintenant, donc si on fouille sous les tribunes, on va se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas cette. L'hôtel n'y est pas, donc il faut aller maintenant. Non, c'est pas ça. J'ai eu cette chance. Moi, j'ai eu cette chance d'être à Lembe à la veille de la CAN. Il y a tel sous-sol, je ne sais pas, 4-5 étoiles, nous savons ce qu'on appelle 5 étoiles, mais il y a l'hôtel qu'on devrait faire dans le complexe. Ça n'a rien à voir avec ce qui est en dessous. Il faut que je vous le dise parce que oui, moi j'ai eu ces chances d'être là-bas. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que j'aurais la naïveté. Mais là, je vous rassurais simplement que ça n'a rien à voir avec l'hôtel qui est sous. Donc il y a l'hôtel, il y en a déjà. Il y en aura 5 étoiles, c'est à l'extérieur. Oh, ok, d'accord. Donc, parce qu'on ne peut pas faire 5 étoiles pour la tribune. Moi, j'ai fait des images, je sais de quoi je parle. Moi aussi, ça me rassure de savoir qu'effectivement, non, soyons un peu plus sérieux que ça. Soyons un peu plus sérieux pour dire que il doit y avoir un troisième larron dans ce jeu des deux qui sont la face visible de l'iceberg, parce que je ne comprends pas quels sont ces revirements à 180 degrés des uns et des autres, parce que McGill c'est un commerçant, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui utilise l'argent pour faire son action. Vous donnez l'argent, il travaille. Vous ne donnez pas, il ne travaille pas. Il vous dit comment on va donner l'argent. Il dit que tant qu'on ne me donne pas l'argent, je ne travaille pas. Et puis un matin, il se lève et dit que je vais travailler le lendemain. Mais il commence par nous dire qu'il y a des conditions posées. Commence par nous dire qu'on t'a donné de l'argent. C'est même pas ça la question. L'un dit justifie ce que tu as eu à faire parce qu'on t'a payé jusqu'à telle hauteur. Il faut justifier. Maintenant, qui dit la vérité? Non, c'est l'État qui doit dire la vérité. Qu'il a perçu, ça c'est coach, il fallait que je vous l'appelle. Oui. La première tranche, le travail qu'il a pris en venant en sapeur-pompier avait une valeur de 23 milliards de francs CFA. Oui. Ça, il faut que je le dise pour la première tranche, première étape comme on dit. La deuxième tranche, vous voyez qu'il a eu en tout 42 milliards. Mais la première tranche, lui, McGill a dit, donnez-moi 23 milliards. Il a eu ses 23 milliards, il a encore eu plus. Non, je vais même plus loin. C'est pas pour vous ministre, dire que... Le ministre de Sport et d'Éducation physique demande somme de justice. Justifier les 42 milliards. Oui. C'est là mais maintenant, il faut aussi que le ministre nous dise que ça a été justifié. C'est pour cette raison qu'il accepte maintenant. Peut-être le confrère n'a pas pu poser la question. Non, de toute façon. Quand je dis un marché de dupes, peut-être que je suis le plus con dans cette affaire parce que je n'ai pas tous les contours, encore que je ne suis pas obligé d'avoir tous les contours. En tout cas, nous sommes des consommateurs. On suivra évidemment le déroulement de toute cette affaire-là. Toujours est-il que le ministre a qualifié d'intolérable la distorsion entre le taux de consommation du budget et le taux d'avancement des travaux. Voilà, c'est pas normal. L'abandon du chantier depuis un an.
On comment comprendre que vous abandonnez un chantier, vous dites parce qu'on ne vous a pas payé, et après vous vous levez un matin, vous vous dites je vais reprendre les travaux sans qu'on ne vous ait reversé un copette. Donc voilà, il y a anguille sur roche. C'est parce que c'est le Cameroun. On en saura un peu plus dans les prochaines semaines. Allez, les travaux annoncés pour le 16 janvier, on suivra avec beaucoup d'attention l'évolution de ce côté-là. On va parler maintenant de ce qui du football proprement dit sur le terrain avec le tournoi Unifac. Et là encore, il y a eu, je voulais parler foot, mais partout il y a scandale quand même. Ben là, l'Unifac, hein, c'était évidemment le tournoi zonal qualificatif hein, pour la Coupe de la Fédération de moins de 17 ans prévu en avril prochain. Le coup d'envoi qui a été donné hier du côté de Limbé, voilà, initialement prévu entre 5 nations, c'est finalement avec... trois nations que se jouera évidemment ce tournoi, entre le Cameroun, la RCA et le Congo Brazzaville. Match hier entre, comme vous pouvez le voir sur les images, hein, entre le Cameroun et la République centrafricaine. Victoire voilà, du Cameroun, 4-0. Voilà, les Lions. Les bébés lions, les lions chauds, hein, comme on peut les appeler, qui ne sont pas gênés hein, pour infliger une sévère défaite à cette République centrafricaine. Bon, voilà. Au terme de ce rencontre, quand même, un autre reporter sur le terrain, on va prendre quelques réactions. On a tendu le micro, hein, évidemment, au coach d'abord, au coach Jean-Pierre Fiala des U17. C'est l'entraîneur camerounais. Il nous livre ses impressions au terme de cette rencontre entre le Cameroun et la RCA. Je ne peux pas d'emblée vous dire que l'équipe en face de nous était faible. C'est-à-dire que c'est manquer un peu de respect à tout. Moi, j'ai vu une très bonne équipe. Maintenant, si vous voulez parler du niveau, comparativement à ce qu'on peut rencontrer en Coupe d'Afrique et tout, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais sachez aussi que si nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique, nous travaillerons en conséquence. Nous avons 2 mois et demi. Connaissant le niveau que nous pouvons rencontrer et les adversaires que nous pourrons rencontrer, je crois qu'avec 2 mois et demi de travail, nous pouvons résoudre ce problème et être au niveau des hommages. Je crois pas qu'il y ait des inquiétudes et quoi que ce soit. Quoi que ce soit, nous allons travailler pour essayer d'être au niveau. Je crois qu'avec les erreurs que nous avons constatées lors de ce match, nous allons essayer d'améliorer. Et n'oubliez pas que nous sommes les détenteurs du trophée. Ceux qui sont passés avant moi, je crois qu'ils ont mis la barre très haute. Il faut essayer de relever le défi. Nous allons toujours, après avoir amélioré tout ce que nous avons constaté comme problème, nous essaierons de tout faire pour gagner le prochain match et en jouant vraiment au football, parce que c'est des jeunes. Voilà, le Cameroun bien parti donc avec cette première victoire lors de cette première sortie face à la RCA. On a Raoul Taboufo a également tendu son micro à l'entraîneur de la République centrafricaine. Nous allons l'écouter. Nous sommes tombés sur une très bonne équipe camerounaise. C'est vrai, une défaite c'est toujours une défaite. Quand on joue un match, c'est... il y a 3 résultats, la défaite, le match nul et la défaite. La victoire plutôt. L'équipe est trop forte. Ça, je reconnais, techniquement, physiquement et tactiquement. Ça fait mal, mais bon, on apprend toujours, on ne perd jamais, même quand vous perdez. Vous gagnez toujours quelque chose. Donc, nous sommes déçus, mais bon, on va extraire de cette défaite une leçon. L'histoire de la radio, ça a diminué notre équipe, c'est vrai. Et je crois toujours. Moi, tout ce que je fais, je vais le dire aujourd'hui aussi, je crois en Dieu. Je crois en mes capacités et je crois en mes joueurs qui sont là. Et le foot, c'est pas... Aujourd'hui, tu peux jouer un mauvais match, mais demain, ça ne sera pas la même chose. Je crois en notre qualification. Et c'est le terrain, comme j'avais dit au début, c'est le terrain qui compte et c'est le terrain qui juge. Donc on verra prochainement, mais je suis confiant et que nous allons qualifier au prochain match. Voilà, l'entraîneur de la République centrafricaine. Voilà, victoire donc du Cameroun. Mais quand même... Hein, Le Cameroun, il a reconnu l'entraîneur centrafricain physiquement, tactiquement, techniquement. Le Cameroun au-dessus, même si on a tremblé un tout petit peu au Cameroun avec ce scandale justement
des faux âges, ce qui aura terni quand même l'image de ce tournoi-là. Je l'ai dit en début, on attendait 5 équipes, mais il y en a finalement 3. D'abord la RDC qui elle-même a annoncé son forfait parce que sur 40 joueurs présélectionnés, premier test chez eux, il y en a déjà 25 qui ne peuvent pas pour faux âge. Et puis derrière, il y a ces problèmes administratifs, problèmes de passeport et autres. Du coup, il n'y en avait que 5 qui pouvaient se rendre au Cameroun, la RDC, donc, qui a décidé de déclarer forfait. Et côté, pour ce qui est de SAO, du Tchad U17, là, il y a eu ces tests IRM. Mais sauf que ce qui disqualifie le Tchad, c'est évidemment qu'un joueur qui était disqualifié s'est retrouvé dans la liste définitive. Et le règlement est clair, si vous avez un joueur disqualifié qui se retrouve dans la liste définitive, ça disqualifie totalement l'équipe. Et c'est ça donc qui met le Tchad out, même si le CONOR, hein, le comité de normalisation au Tchad, a essayé de fustiger cette décision de la Confédération africaine de football. Narcisse Oum, vous avez suivi avec nous ce phénomène de faux âge qui vient terni quand même. On était 5 au départ, on est 3 pour un tournoi qui il va falloir 2. Est-ce que ça a quand même baissé le niveau hein, de ça oui, terni mais, quand même ce tournoi. Oui, mais n'oubliez pas que nous avons vu la prestation des équipes pendant le mondial du Qatar. On comprend aujourd'hui que le football ne se joue pas dans la tricherie. Et là, il faut dire merci au Cameroun, merci au docteur Samuel Eto'o, que Dieu veille sur lui, d'avoir accepté pour nous premier au Cameroun. On a mis 21 joueurs de côté, souvenez-vous, la première phase. Et aujourd'hui, je n'ai pas compris le mental camerounais. On vous enlève 21 jours, on entre dans votre programme et vous vous retrouvez à gagner l'équipe centrafricaine par 4-0. Ça, il faut être camerounais. Je suis donc pas surpris aussi, quand le coach centrafricain apprécie le Cameroun. Non, vous savez très bien que c'est l'ADN du Cameroun, le physique. Donc, pour moi, je dis félicitations à ce bébé, à ce Lyonso, parce que je ne m'attendais pas à cette victoire à 4-0, puisque pendant le stage, ils ont été malmenés par les problèmes d'âge. Maintenant, Dieu merci aussi. Si le Congo ou bien le Tchad ont été mis de côté, pas parce que c'est le Cameroun que vous voulez. Parce que imaginons un seul instant, on allait dire c'est le Cameroun. N'oubliez pas le problème RDC Cameroun, vous vous rappelez? On a toujours dit oui. Avec cette caisse de Covid. On a encore dit oh non, c'est le gouvernement camerounais, mais Dieu merci, la CAF avait intervenu. Cette fois-ci, voyez, la FIFA a intervenu pour dire voilà, il y a un souci. Ce n'est pas nous avec les tests IRM. De l'os, il faut bien préciser. Ouais. C'est l'os. Donc, IRM, le brasilien, détermine à partir de l'os quel âge vous avez. Si le Cameroun a été la première victime, avec 21, en tout cas, le Cameroun s'est préparé avec 21 joueurs qu'on a mis de côté pour les remplacer. Et en plus, on avait plusieurs encore qu'il fallait remplacer. Aujourd'hui, les 3 équipes qui sont restées, j'ose croire que c'est la même pépinière pour l'Afrique, si l'Afrique voudrait remporter un jour la Coupe du Monde. Avoir toutes les 3 équipes avec les vrais âges, cette fois c'est les vrais âges. Mais vous savez, c'est ça qui mine le football en Afrique. Parce que chaque fois, comme j'étais trop petit, on nous parlait des âges de combat. Mais l'IRM existe depuis. Ça existe depuis. Je passe sur le contrôle de coach qui est à ma droite. Mais il fallait le mettre en application, il fallait l'implémenter, il fallait le faire. Le Cameroun a essayé pour une première, toute l'équipe, parce qu'on dit 21 joueurs, c'est toute l'équipe. Mais aujourd'hui, je dis, moi je suis satisfait. Et je pense tout simplement que les 3 équipes qui sont là méritent d'être là. C'est la pépinière de l'Afrique. Et dit courage et félicitations pour ces 3 pays. Mais je vais revenir à Bobby tout à l'heure. Vous allez parler. Je sais que vous c'est une autre discipline, mais vous avez quand même suivi avec nous cette actualité des joueurs exclus pour faux. Voilà, parce qu'ils auraient trafiqué sur leur âge. Et donc, le Cameroun a eu cette chance-là d'avoir effectué ces tests un peu plus tôt pour pouvoir, dans le Cameroun, sachant nos mentalités, on a fait ces tests un peu plus tôt. On a anticipé. Dis merci. Et quand on a découvert qu'il y avait 21, on les a écartés. Ça a laissé le temps au coach Fiala d'aller puiser un peu rapidement des joueurs pour compléter l'effectif. Alors, comment vous avez accueilli cette information selon laquelle 21 joueurs d'abord de l'équipe nationale du Cameroun, des U17 exclus pour faux sur l'âge, et ensuite ces équipes écartées par l'IRM. Ce n'est que la bienvenue pour qui est l'IRM.
Parce que les Africains, c'est notre chose, c'est notre affaire, la tricherie. Aujourd'hui, si la tricherie ne peut plus exister, que le Cameroun a compris qu'il ne faut plus faire ça, vraiment, ça me soulagerait. C'est dans toutes les disciplines que ça se passe. Dans toutes les disciplines. Même en boxe, il y a la tricherie. Voilà. Tu vas voir quelqu'un, tu te dis qu'il est âgé, il va te dire que j'ai 25 ans, alors que le gars n'est plus en mesure de boxer. Il ne doit plus boxer amateur. Il y a 35 ans, il doit être à côté. Mais, parce que c'est la tricherie, on va le faire venir, on le fait boxer, et le couple, c'est qui pourra y couper. Maintenant, en ce qui concerne les âges des footballeurs, je crois que c'est maintenant que nous aurons les vrais joueurs, la bonne pépinière. Parce qu'avec ces âges-là, les gars vont évoluer avec ça et pourront accéder à l'équipe nationale senior. Et ça nous fera du bien. On n'aura plus de coulant à l'équipe parce qu'il y a des gars qui ne pourront plus courir. Tu vois, quelqu'un est là, on te dit qu'il a 25 ans. Il ne peut pas courir. Toi, tu sens que celui-là, il est déjà vieux. Aujourd'hui, c'est la bienvenue. Moi, je dis merci au coach, au peuple camerounais. Et au staff de cette équipe qui a compris qu'il faut vraiment aller puiser les autres parce qu'il faut donner la chance à tout le monde. Voilà. Alors, président, à la natation également, hein, c'est parce que c'est aussi par catégorie là-bas. Vous avez également eu des cas similaires en natation dans les différentes compétitions. Vous avez des catégories des nageurs qui arrivent ou des nageuses qui arrivent qui vous disent on a tel âge et à la fin, vous trouvez qu'ils sont une catégorie un peu plus supérieure. Oui, comme mon grand frère vient de parler là, donc c'est les mêmes, donc c'est partout dans toutes les disciplines sportives. Donc même dans la natation, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on demande actuellement les actes de photocopies légalisées des actes des enfants pour pouvoir les mettre dans la catégorie. Donc c'est partout que ça existe, le faux âge là, donc c'est partout. C'est pas seulement au football. Je vais pencher vers le coach, lui qui a l'habitude, évidemment, c'est lui qui gère le plus souvent avec tous ces jeunes-là. Vous êtes formateur, entraîneur de football. C'est d'abord quoi? Il faut expliquer un peu aux gens hein, ce que c'est, parce qu'on dit les tests IRM. Imaginez par résonance magnétique. Il faut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est, évidemment, le test IRM. Bon, disons que pour en sport, on utilise l'âge osseux pour la pratique. Et l'âge osseux se détermine à partir de la radiographie du poignet gauche. Et l'IRM est une radiographie améliorée à trois dimensions du poignet gauche qui permet de déterminer l'âge osseux. Le plus embêtant dans l'âge osseux, c'est qu'il peut être concordant avec l'âge chronologique, c'est-à-dire en respect de l'âge de l'enfant au moment où il est né. Si un enfant a 10 ans, l'âge osseux peut être déterminé et dit qu'il a 10 ans. Là, c'est concordant. Maintenant, l'âge osseux peut être en retard sur l'âge biologique, c'est-à-dire que l'enfant qui a 10 ans, son âge osseux déterminé par exemple dira qu'il a 8 ans. Ou bien l'âge osseux peut être en avance, au lieu de 10 ans, il a 12 ans. Vous voyez qu'aucun d'eux n'a fait le faux. Aucun de leurs enfants là n'a fait le faux simplement parce que ce n'est pas eux. Ils ont 10 ans, âge chronologique, mais l'âge osseux déterminé par l'IRM dit que 1 est en avance. Il a 12 ans, un est concordant, il a 10 ans, l'autre est en retard, il a 8 ans. Puisque pour travailler dans sa catégorie, il faut rester en respectant l'âge osseux. L'enfant qui a apparemment 14 ans, âge chronologique, mais dont l'âge osseux a 10 ans, on va le mettre sur les 10 ans, il n'a pas triché. Maintenant, le phénomène de tricherie est autre chose, parce qu'il faut faire attention. Le phénomène de tricherie est autre chose. On triche sur l'âge chronologique, c'est-à-dire que les actes que nous établissons dans les centres d'état civil, en trichant sur l'âge biologique. Un enfant est né en 2010. Au moment d'établir l'acte, on dit qu'il est né en 2014. C'est là la tricherie. Mais si vous faites la radiographie de l'enfant, du poignet gauche de cet enfant, on va vous déterminer son âge osseux. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont triché. C'est ce que je voulais relever comme équivoque pour qu'on entre maintenant dans le problème de la tricherie des âges. Au niveau de la tricherie des âges, c'est un problème d'état civil. Et nous devrons vraiment informatiser et sécuriser notre fichier d'état civil pour que ces choses-là n'arrivent pas. Maintenant, par rapport à l'activité, parce qu'on est surpris aujourd'hui que plusieurs nations soient éliminées ou bien voir les joueurs éliminés simplement parce qu'ils n'ont pas l'âge correspondant. Il faudra donc simplement que lorsqu'on a fini de sélectionner les joueurs, avant de les préparer pour
la compétition, qu'on fasse le test. Et dès qu'on aura fait le test, tous ceux qui répondront aux critères d'âge vont continuer et feront donc leur préparation jusqu'au bout et pourront aller à la compétition. Maintenant, si vous voulez faire le test à la veille de la compétition, à un jour, à deux jours de la compétition, et le test vous révèle que l'enfant dont l'âge chronologique réel est de 10 ans, mais dont l'âge osseux est de 12 ans, ne peut pas prendre part à cette contre-théorie, ce n'est pas que l'enfant a triché, c'est que vous ne vous êtes pas administrativement organisé pour que les choses se passent comme elles devraient se passer. Mais coach, à ce niveau-là, si je voulais savoir, il y a l'hygiène de vie qui joue, je vous dis parce que vous êtes l'encadreur, est-ce que l'hygiène de vie joue dans ce test? Le plus amusant aussi dans l'âge osseux et l'âge déterminé, c'est que les jumeaux peuvent avoir les âges osseux différents. On ne parle pas de l'hygiène. Les jumeaux, oui. Je dis que les jumeaux peuvent avoir des âges osseux différents. Parce que c'est déterminé comme ça. Donc, pour dire quoi, simplement à la fin, on tient compte de l'âge osseux. Maintenant, si les fédérations, si les nations sont bien sérieuses par rapport aux différentes compétitions, une fois qu'on a sélectionné les joueurs pour une compétition, on commence par le test des IRM. Et une fois que les âges sont déterminés, ils commencent donc maintenant la préparation pour aller à la compétition. Ils ne pourront plus être éliminés. Or, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On sélectionne les joueurs, on les prépare jusqu'à aboutissement. Et à la veille du départ pour la compétition, on part donc faire l'IRM. Et l'IRM vient éliminer les gens. Et c'est pour ça que nous avons... Donc pourquoi ce n'est pas fiable? Non, ce n'est pas... C'est fiable. C'est que c'est notre système d'organisation pour la préparation de la compétition. Non, je parle des enfants qu'on sacrifie. Vous avez 10 ans, ça veut dire que vous avez 12 ans. On tue le rêve des enfants. Voilà, ça c'est... Moi qui ai un âge inférieur à mon âge chronologique, ou bien moi qui ai mon âge osseux supérieur, si je suis informé au départ que voilà mon âge, je vais entrer dans ma catégorie et je vais me préparer dans cette catégorie-là pour faire ma compétition. Dès qu'on dit qu'on a éliminé tel nombre de personnes au Cameroun, première des choses, on pense à la tricherie. Non, ce n'est pas un problème de tricherie. La tricherie vient à partir du moment où, dans le centre d'état civil, un enfant né en 2010, on écrit plutôt qu'il est né en 2012 ou en 2014. C'est là la tricherie. Très bien. Mais l'âge osseux, il n'y a pas de tricherie. C'est une détermination scientifique qui voudrait que l'appareil nous détermine quel est l'âge des enfants quand on prend au niveau de la radiographie. Toujours est-il que, comme le président Massé l'a dit tout à l'heure, on regarde parfois les actes de naissance. Aujourd'hui, chez nous, oui. Quand on fait la compétition des jeunes chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit commission de morphologie. C'est-à-dire qu'on regarde l'enfant, on voit la taille, on voit la corpulence, on voit son apparence, son phénotype. Le phénotype n'a rien à voir avec l'âge de l'enfant. Il y en a qui ne sont pas, entre guillemets, très beaux pour paraître jeunes. Il y en a qui ne sont pas très beaux, paraissent très vieux, pourtant ils ne le sont pas. Aussi, je dis comme ça, qu'on m'excuse d'utiliser les termes aussi barbares que ça, mais c'est juste pour expliquer que non, la commission de morphologie ne peut pas être une commission fiable, parce que les éléments qui déterminent l'âge par rapport à la morphologie ne sont pas scientifiquement prouvés. Quand vous venez, on compte les dents, oui. Dans le championnat de la FENASCO, on compte les dents. On sait qu'un enfant peut avoir plus de tel... À tel âge, l'enfant doit avoir tel nombre de dents. On compte. Lorsque l'on a compté les dents, on trouve que si c'est ce nombre-là, vous jouez. Si vous n'avez pas ce nombre-là, maintenant, si quelqu'un a arraché les dents, vous faites comment? De toutes les façons, les équipes n'ont pas les moyens. Là, il faut rappeler que l'IRM aussi, ça coûte cher. Donc, oui, c'est aussi et ça. Et ce n'est pas donné mais à chaque étatique, équipe. Mais au niveau étatique, club, je parle donc au niveau des clubs. Au niveau étatique. Au centre de formation. Quand on a une catégorie de U17 du Cameroun qui va à une compétition, vous n'avez pas me dit que le Cameroun n'a pas l'argent. Non, là c'est autre chose. Je parle des enfants qui arrivent dans les centres de formation. Ça, les formations. Voilà, ce n'est pas évident. Mais ça, les formations dans la mallette aussi, n'oubliez pas. Bon, voilà. Siège. On va avancer dans ce programme pour parler cette fois après l'UNIFAC. Il y a évidemment le Cameroun d'ailleurs qui jouera son second match contre le Tchad, mais déjà pour une compétition à 3 avec une victoire, première victoire, 4 buts à 0. Quand on il faut 2 qualifiés, il faut vraiment un naufrage pour que le Cameroun ne soit pas qualifié à cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Côté championnat d'Afrique des Nations qui a démarré ce jour, le Cameroun sera également représenté avec les poulains d'Alium Sido. Voilà. Là également, là il n'y a pas eu ce problème d'âge. Le Cameroun, voilà, on va parler des matchs. Le Cameroun qui a disputé des rencontres. Parmi ces rencontres, il y a eu 7 buts, 5 matchs amicaux
disputée par le Cameroun. 7 buts marqués, 4 buts encaissés. La satisfaction, c'est qu'à tous les matchs amicaux, le Cameroun a inscrit au moins un but. Seul bémol, c'est qu'également à tous les matchs, le Cameroun a encaissé au moins 5 buts, excepté le match contre le Soudan, où le Cameroun a gagné par 2 buts à 0. Au vu donc de ces matchs, je rappelle que le Cameroun, hein, parlant de ces matchs amicaux, il y a eu d'abord contre le Canon Sportif de Yaoundé, un but partout, contre Edding Sport de Aliki, un match nul, un but partout. On est allé faire un but partout contre l'Ouganda, contre la Côte d'Ivoire, un but partout. Et puis contre le Soudan, 2 buts à 0. Oui. Voilà, donc voilà. Non, on a battu hein, contre le Canon Sportif. On est 2 buts à 1. Le canon de Sportif, c'était 2 buts à 1 pour le Cameroun. Et contre Edding Sport, c'était 1 but partout. Voilà, 2 victoires, 3 matchs nuls, 7 buts marqués, 4 buts encaissés. Bilan pour vous, positif? Pour moi, c'est positif parce que seuls les encadreurs techniques savent ce qu'ils cherchent pendant les matchs amicaux. Vous savez, les matchs amicaux pour. Si tu as un lambda qui ne comprend pas le fonctionnement du football, parfois il pense que l'équipe est faible. Non. Quand un coach ou bien une équipe nationale ou bien un club même va faire des matchs amicaux, c'est à la recherche de la cohésion, du système de jeu, des joueurs qu'il a. Parce que vous savez très bien que sur le couvert du coach, on a besoin de joueurs qui entrent dans le système implémenté par le coach. Donc il y a beaucoup de recherches pendant les matchs amicaux. Donc parfois même, il faut le dire ici, hein, ce n'est pas la victoire ou la défaite qui incombe ou bien qui va satisfaire l'encadrement technique. Non, c'est la manière dont comme les joueurs se comportent sur le stade, le système de jeu mis en place pour voir comment les enfants jouent. Moi, je pense tout simplement, je reste optimiste pour cette équipe hein, qui regorge 5 joueurs de Coton Sport de Garoua et 2 joueurs de l'Union de Douala. Ça, il faut le rappeler. Si vous avez 7 joueurs comme ça, soyez optimiste que dans ce champ, le Cameroun fera quelque chose. C'est notre champ cette fois-ci. C'est le seul trophée que nous avons jamais remporté. Il faudrait qu'on gagne, qu'on rapporte ce champ. La chance aussi que le Maroc, qui d'emblée, je dis bien d'emblée parce que c'est la seule équipe qui joue avec les joueurs locaux, que ce soit à l'équipe A prime ou A. C'est la seule équipe. Donc le fait que le Maroc ne s'est pas déplacé pour les problèmes extra-sportifs qu'on appelle politiques, c'est la chance aux Camerounais de rapporter cette chance. Parce que, je vous dis, c'est notre chance cette fois-ci. Moi, je fais confiance au coach. Hein. Oui, parce que j'imagine que, peut-être vous l'avez connu aussi, c'était un bon milieu de terrain, relanceur, barreur, calme, sobre, maestro, quand il jouait dans les Lions. Et je pense qu'il a pu mettre en pratique, ou bien il a implémenté sa manière de jouer aux joueurs. Et en plus, il a la chance que la majorité des joueurs sont du Coton Sport où il a été joueur. Donc je pense tout simplement que le Chan va nous revenir s'il met le paquet, qu'il se sacrifie comme les enfants ont fait à Limbé. Je crois qu'on pourra remporter ce championnat africain. En tant qu'entraîneur, hein, vous avez suivi évidemment ces matchs amicaux. D'ailleurs, la liste déjà, même si on avait déploré le fait que Alioum Sédou ne nous ait pas expliqué ses choix, parce que la liste qui est sortie, alors qu'il s'envolait déjà. Oui, mais quand vous dites expliquer, bon, nous avons vu le Mondial 92 avec la France où mon joueur Ginola n'a pas été convoqué. Non, je ne suis pas en train de vous dire. C'est dans le forum des journalistes. Ouais. Tu sais de quoi je parle. On dit pourquoi il n'a pas le meilleur buteur. Il y a le meilleur buteur. Je suis d'accord. C'est normal qu'un meilleur buteur soit dans une liste. Maintenant, ça dépend du système mis en place par le coach. Ça dépend aussi de la forme des joueurs. Vous pouvez être le meilleur buteur. Je ne parle pas d'un joueur spécifique. Hein. Je parle dans l'ensemble. On sait que les entraîneurs. Je parle sous le contrôle d'un entraîneur. Non, je ne vais pas citer un joueur. Non, on cite pas je peux joueurs. Vous garantir que je cite personne. Merci, d'avance. Je parle sous le contrôle d'un entraîneur. Je sais que pour des compétitions majeures, même les entraîneurs, quand ils sélectionnent les joueurs, ils sont quand même devant la presse pour d'abord dévoiler cette liste devant la presse. Et puis répondre quand même à quelques interrogations, expliquer les choix. Ça ne veut pas dire qu'on impose tel joueur. Oui, vous savez aussi que c'est le nouveau exécutif qui est là. On ne sait pas pourquoi. Nous sommes mal placés. Ah, c'est une habitude alors. Qu'on a la liste le jour de la compétition, que la liste des joueurs. Oui, mais nous sommes mal placés sur ce plateau pour savoir, parce que les gens en parlent depuis Benmelo. J'ai l'impression que vous voulez défendre tous ces entraîneurs-là. Coach, alors.
vous avez suivi avec nous, hein, on va plus débattre sur cette liste-là, derrière la compétition a commencé déjà. Alors, au vu des matchs disputés par, même si on a critiqué le fait qu'il n'ait pas dévoilé la liste un peu plus tôt et expliqué ses choix, mais tout porte à croire quand même que cette équipe-là va faire une belle prestation avec des matchs disputés, aucune défaite concédée. Je rappelle quand même qu'ils ont disputé des matchs contre des équipes qualifiées à l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et autres. Voilà, qualifiées quand même à cette même compétition-là et qu'ils n'ont pas concédé de défaite. Alors, au vu de ça, on peut quand même envisager quand même une belle prestation pour nos Lions après. C'est le mal qu'on puisse leur souhaiter. Parce que l'objectif d'aller à la compétition, c'est de pouvoir la remporter. Pour remporter, il faut être capable de battre tous les autres. Et battre tous les autres, il faut se préparer sur un plan bien outillé, avec des éléments qui seront capables d'implémenter le plan que vous avez mis sur pied. Et du train, donc, ça va. Lorsqu'on regarde, je ne sais pas si c'est la courbe de l'évolution de la préparation du Cameroun, on peut se... Au-delà du fait qu'ils n'ont pas perdu et que... même s'ils encaissent à tous les matchs, ils marquent aussi, parce qu'encaisser à tous les matchs, c'est déjà hypothétique sur le plan... Contre le Soudan, ils n'ont pas encaissé depuis tard. Oui, mais c'est, ils ont encaissé. Ils ont encaissé. Sur le reste, sur les quatre premières rencontres. Mais les personnes les plus à même de dire et d'expliquer pourquoi ils font ci ou ça, ce sont ceux qui sont en sélection, c'est-à-dire le sélectionneur, merci, qui, après avoir ouvert un plan, après avoir fouiller un ensemble d'assiettes pour pouvoir trouver les joueurs, réussir à concocter une liste. La seule chose qu'il a à faire, c'est de venir dire j'ai choisi tel pour telle raison. Il n'est pas là pour justifier, il explique simplement. Parce que lui-même, il n'est pas un devin. Il n'est pas sûr que ça va marcher. Il n'est pas non plus sûr que ça ne marchera pas. Il a l'espoir et optimiste du fait que la préparation qu'il a mise sur pied doit permettre que son injustice soit atteint, et il va se baser sur la qualité des joueurs pour le faire. Donc c'est à lui d'expliquer. Maintenant, quand il n'explique pas, quand on ne vient pas expliquer que bon voilà, on a pris telle autre raison, parce que vous pouvez avoir un bon numéro 10 au pays, je dis bien n'importe quoi, un bon numéro 10, tout le monde sait que c'est un très bon numéro 10, mais si le sélectionneur joue dans un dispositif qui n'a pas le numéro 10, il n'utilise pas un numéro 10, on sera étonné de voir que ce joueur, il a appelé le joueur sans appeler ce numéro 10. Or, lui, il joue peut-être avec son 4-3-3 avec une pointe basse, c'est-à-dire une sentinelle devant la défense et deux animateurs. Il n'a pas un numéro 10. Je dis n'importe quoi pour expliquer qu'on peut avoir un très très bon joueur qu'on ne retient pas. Par contre, on peut avoir des joueurs moyens pour des raisons ou pour d'autres raisons qu'on retient parce qu'ils sont capables de faire telle ou telle autre chose. Maintenant, il faut que celui qui les retient vienne expliquer que voici pourquoi j'ai pris tel, voilà pourquoi je n'ai pas pris tel autre. Et après, si à la fin de la compétition, il a gagné, il aura raison. Parce que quand vous gagnez, vous avez raison. Maintenant, si vous perdez, vous devez aussi avoir tort. Parce que tout le monde viendra vous dire, ok, vous nous avez dit ceci, voilà ce qu'on a vu, on s'attendait à ceci, voici ce qui est arrivé. Donc, c'est tout ce que nous expliquons, toutes les discussions qui sont suscitées, toute la polémique qui naît aujourd'hui, c'est simplement parce que ceux-là qui sont en charge de sélectionner ne sont pas venus expliquer leur... Très bien, de toutes les façons, la meilleure réponse sera sur le terrain et les Lions A' seront sur le terrain, sur l'entrée en liste dans le groupe E, où les Lions affronteront le 16 janvier, donc lundi prochain, ce sera l'équipe du Congo au stade Miloud Adefi d'Oran à partir de 20h, rencontre que nous suivrons avec beaucoup d'attention pour le match d'ouverture hein, ce soir d'ailleurs. L'Algérie hein, a pris le dessus sur la Libye, un but à zéro. Voilà le pays hôte qui justement prend le dessus sur la première rencontre. Le Cameroun, rappelons-le, jouera son premier match lundi prochain à 20h, on rencontre le Congo. Le deuxième match du Cameroun sera le 24 janvier contre le Niger, toujours à Oran. Voilà, on va parler de toute autre chose. On va parler des natations maintenant. On va revenir hein, évidemment sur le football. Mais avant cela, on va parler des natations. Je parlais évidemment le président de la Ligue régionale du littoral de
natation évidemment avec nous sur ce plateau pour nous parler. Mais avant, on va aller du côté du Fundi où il y a eu renouvellement des organes au sein des organes au sein des fédérations sportives civiles nationales. Alors élu pour un mandat de 2 ans à la tête de la Ligue départementale de natation du Fundi, Prince Atcho se donne 100 jours pour révolutionner cette discipline. Alors, on va voir tout cela avec Ike Cyril. De nouveaux hommes à la tête de la Ligue départementale de natation du Mfunzi. Aux commandes d'une équipe d'une dizaine de personnes, Prince Atcho se donne 100 jours pour révolutionner la natation dans le Mfunzi. Le bon maçon se juge au pied du mur. Et nous nous sommes donné un rendez-vous. Je vous sais, très poignant, les hommes de médias. Rendez-vous les 100 premiers jours pour voir ce que nous aurons fait dans le département du Fundi. Les Camerounais savent qu'il y a un sport roi au Cameroun. Mais désormais, vous entendrez parler de la natation et des autres sports. Le nouveau président ne tarit pas d'ambition. Mais comment compte-t-il les réaliser dans un département où les infrastructures ne courent pas les rues? Nous allons faire un état des lieux, expertiser ce qui est là, qui pourra servir pour un début. Et une fois voir aussi, parce que nous avons des sites que nous convoitons, juste des petits problèmes techniques qu'il faudra régler pour voir où est-ce que nous pourrions implanter les piscines olympiques. En vertu des procès verbaux de votre installation, et au nom de monsieur le préfet du département du foot que je représente ici, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions. Officiellement installés dans leurs fonctions, les membres du bureau de la Ligue départementale de natation du Mfunzi n'ont pas droit à l'erreur. Les pouvoirs publics les invitent au respect de la hiérarchie et des institutions. Le Mfunzi, c'est le siège des institutions républicaines, donc ils se doivent de garder cette belle image rayonnante pour aller de l'avant pour leur fédération, pour le départemental du Mfunzi. Le préfet du département du Mfunzi aussi les a exhortés de rester disciplinés parce que la discipline, c'est ça qui fait la force de nos vies. Élu pour un mandat de 2 ans, le bureau de la Ligue départementale de natation du Mfunzi, tel un maçon, sera jugé au pied du mur. Voilà Prince Atcho, donc président de la Ligue départementale de natation dans le Fundi. Il s'est donné 100 jours pour révolutionner. On va compter ça et puis on verra évidemment. 100 jours après, on fera le bilan. Mais alors, nous avons, là c'est dans le Fundi, dans le littoral, nous avons le président régional de la Ligue régionale et deuxième vice-président national avec nous, lui qui a été également élu. Alors, vous nous disiez tantôt, Massé Richard, que les élections se sont passées dans les bonnes conditions. Oui, les élections sont passées dans les bonnes conditions. En plus, on a eu à renvoyer plusieurs fois. Mmh. C'était un mot du ministre qu'il fallait changer. Mais pourquoi on renvoyait? On ne savait pas. Ils avaient c'était un stage avec le ministre. Il fallait qu'il monte et descende, monte et descende. Donc, chaque mois, on ne fallait que renvoyer, on ne fallait que changer les mots du ministre. Donc, c'est pour ça qu'on a jusqu'au 7 décembre qu'on a eu à faire les élections. Oui, et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé puisque j'ai présenté tout le bureau, le président, le premier vice-président, le secrétaire et le CDF. Donc on a eu tous. Ah, c'était un scrutin des listes. Succès, oui, oui. Votre liste est passée. Oui, toute notre liste est passée. Mmh. Et avec un pourcentage 95%. 95%. Oui, 95%. Majorité écrasante, évidemment. Oui. Alors maintenant, donc, les nageurs, on va le dire, du littoral, vous ont fait confiance et vous ont confié leur destin. Vous êtes à la tête de cette ligue régionale. Alors, on a suivi tout à l'heure Prince Atcho, dans le Fundi, qui s'est donné 100 jours pour révolutionner la discipline. Alors, maintenant que vous êtes à la tête de la ligue, quelle amélioration comptez-vous apporter la natation dans le littoral? L'amélioration que nous comptons apporter, moi et mon équipe, c'est que la nouvelle dynamique, c'est de changer la façon qu'on gérait la natation avant. Mm-hmm. Donc, de ramener la natation, le nageur sur... dans les piscines. Oui, dans les piscines. Et en plus, de mettre focalisé. Plus les piscines d'abord. On n'a pas les piscines, on n'a pas les piscines. La seule piscine qui était... Et en plus, on a les problèmes
des fractures ici au Cameroun. Ouais, j'allais. On n'a pas une piscine. Aussi, on n'a pas une piscine dans le même environnement. Au Cameroun, on n'a pas. Peut-être que c'est la seule piscine qui a, c'est la piscine de Japoma. Qui peut-être peut être dans le nord. Du stade de Japoma. Le complexe, oui. Donc on n'a pas de fractures comme dans les piscines. Et nous voulons ramener le nageur dans les normes et le nageur qui est devant. Donc avec les primes, les motivés et tout cela. Allez, donc vous voulez mettre un peu plus de prix hein, dans les différentes compétitions. Mais ce que vous évoquez vous-même là le problème de piscine. Alors comment révolutionner, comment faire émerger une discipline quand on n'a pas les infrastructures? C'est un peu comme vous dites vous allez révolutionner le football, il n'y a pas de stade pour jouer. Il y a une seule piscine, vous l'avez dit, qui répond aux normes, celle de Japoma. Alors, est-ce que dans le littoral, il n'y a pas de moyens, vous n'envisagez pas de trouver des mécènes, des sponsors pour pouvoir construire des piscines, pour pouvoir organiser des championnats? Non, nous avons actuellement le nouveau président, le président élu, Elad Louarno, est en train de vouloir faire... Le président national. Oui, le président national. En train de vouloir faire ramener les sponsors ou l'État à pouvoir construire les piscines. Puisque l'ancienne piscine qui était avant, comme une piscine pré-olympique, de 25 mètres qui soit statique, n'est plus dans les normes. Donc, c'est la seule piscine qui était vue comme piscine qu'on peut faire les compétitions. Mais actuellement, les nageurs se battent par rapport toujours à cette piscine. Donc, ils nagent toujours dans ce bassin. À la cité. À la cité, oui. Ouais, c'est la seule piscine. C'est la seule piscine qu'on peut faire les compétitions au littoral et qui existe comme piscine presque où les pré-olympiques. Ouais. Parce qu'elle ne répond pas aux normes olympiques. Oui, actuellement, elle ne répond plus aux normes, puisque avec la profondeur, avec tout ce qui se trouve, elle ne répond plus aux normes. C'est pour ça qu'actuellement, par rapport à ça, on veut sensibiliser certaines piscines au littoral pour pouvoir former les plus jeunes. Nager plus en natation est très important, la natation que les gens ne connaissent pas là. C'est un sport qui est très, très important. Oui, ça évite des noyades. Parce que c'est le seul sport qu'on peut facilement se noyer, on peut facilement mourir. C'est le seul sport qu'on peut facilement mourir. Donc, un enfant entre dans l'eau là, 5 minutes après, vous trouvez qu'il est en train de. Il n'est plus vivant. Alors, Narcisse, on va revenir à vous, président. Je sais que ce sont des sportifs qui sont sur ce plateau. Alors, vous avez suivi le président de la Ligue régionale parlant des difficultés qu'il y a quand même. Hein. C'est quand même dur quand même pour les nageurs. Une seule piscine dans une ville comme Douala, qui ne répond même pas aux normes olympiques. Oui, là, il faut bien le préciser. Vous savez, parfois même quand vous postulez un poste, il faut voir ce qui se passe en amont. Parce que là, vient d'être le président de la région du littoral. À une époque lointaine, on s'entraînait au niveau des brasseries chez les militaires, par le BBR. Après, il y a la première piscine semi-olympique. Bien le doigt là. Je parle du Cameroun à l'époque. C'est la Cité-Cycle, là où il y a les compétitions se passent. Aujourd'hui, il parle de Japon. Oui, mais il y a des piscines privées qui remplissent ces normes. Il y en a. Ça, je vous amène. Il y en a, je sais de quoi je parle. Maintenant, il faudra débourser. Mettre la main à la poche, ou bien l'État devrait, ou bien vous. Aller négocier comme on l'a fait dans le passé, du côté de Saint-Michel à une époque, quand c'était ce qui était fermé. C'est là où toutes les compétitions, vous vous rappelez? C'est là où la compétition se jouait, ici à la montée BBR. Avant que M. Ralano prenne la gérance de la Cité-Cycle. Maintenant, je peux vous rassurer que M. le Président, il y a les piscines privées qui remplissent. Ambangaba Kokoyana. C'est ce que vous l'ajoutez. Oui, bon, quand vous dites, moi, excusez-moi, je veux répondre à ça. Pour les piscines, quand on parle des piscines, les compétitions se font dans les piscines de normes, comme les piscines semi-olympiques, c'est 25 mètres. Olympique, c'est 50 mètres. On ne peut pas aller faire des compétitions dans les piscines de 20 mètres, 19 mètres. Je ne veux pas le dire bien des normes, je ne veux pas. Non, je vous dis bien, Bangabakoukou, c'est de mon côté. Je connais toutes les piscines qui sont là-bas. Oui. La piscine la plus grande là-bas, elle est dans les 21 mètres. La plus longue, 21 mètres. Donc, c'est un secteur que je connais. Ça fait depuis. Actuellement, il y a quand même notre nouvelle piscine vers le Wissou qui peut aller dans les 25 mètres, dans les normes. Vous avez une tâche compliquée, hein, parce que quand vous le dites, vous savez que l'État à l'époque avait
avait oublié votre. Oui, puisque, votre les ligues ne sont pas, puisque les fédérations ne sont pas subventionnées, c'est seul le football qui est subventionné. Les fédérations ne sont pas subventionnées. C'est compliqué. Les fédérations ne sont pas subventionnées. C'est compliqué. Les fédérations ne sont pas subventionnées. Voilà, donc vous avez un gros morceau. Un gros morceau, vraiment. Donc, puisque vous le dites vous-même, il n'y a pas de subvention venant du ministère. Oui, c'est dans nos poches. Donc vous allez vous-même chercher le financement. Oui, on a aussi. C'est dans nos poches. Ou sinon, on trouve les sponsors. Les sponsors. Oui. Ce n'est que ça, le plan. C'est dans nos poches. Voilà. Et est-ce que le calendrier, est-ce qu'on peut déjà. Vous avez déjà pensé à calendrier de la saison? Le calendrier est sorti. Vois-tu de la saison sportive 2023. Première, oui, 2023, notre première compétition, c'est le 25 février. Et nous vous appelons, on appelle tous ces sponsors, toutes ces personnes qui aiment la natation. La natation. Oui, qui passent voir ce que c'est la natation. Et nous allons sensibiliser toutes les écoles pour remettre la natation à jour avec les plus petits, anciennement, l'apprentissage de natation à l'école. Donc, c'est ce que nous avons comme projet pour ramener encore la natation à vivre. Alors, vous avez dit l'ouverture de la saison, rappelons-le, c'est le. C'est le 25 février. Le 25 février. Et à la Cité-Sica, piscine pré-olympique. À la piscine pré-olympique, oui. pré-olympique de la Cité-Sica. Première, quoi. Première, voilà. Allez, on va. Oui. Oui, non. Bon, allez, on va avancer, on va avancer. On va quitter d'une discipline à une autre, peut-être on reviendra vous avant de sortir. On va passer, puisqu'on parle de discipline sportive, autre fédération sportive civile nationale, c'est la FECA Box. Et avec nous, hein, je le signalais tantôt, il y a Bobby Atina. Vous avez boxé, hein, vous également. J'ai boxé. Oui. C'était dans les années. C'était dans les années 97. Ouais. J'ai même fait les Jeux Olympiques en 88 à Séoul. J'ai été médaillé africain en aérobie en 87. Aujourd'hui, je suis entraîneur de club, Gabelou Boxing Club de Douala. Je suis entraîneur national des jeunes du Cameroun. Allez, alors vous êtes là parce que on vous a fait venir parce que d'entrée, hein, j'ai dit qu'il y avait du rififi à la FECA Box. Vous avez tenté les médics, tout allait bien, mais vous avez vous-même chuté en disant qu'il y a eu quand même des soucis. Honnêtement, hein, on est à Equinox Télévision. Nous, ce qu'on nous reproche parfois, c'est de trop dire la vérité. Mais on se doit de dire la vérité. On ne va pas s'arrêter de la dire. Voilà, on va toujours dire la vérité. On n'est pas là pour masquer les choses. Si je vous avais béni, c'est pour qu'ensemble, on essaie de voir clair de ce qui se passe à la Fédération Camerounaise de Boxe. Est-ce que M. Bobby Tina, vous regardez droit, vous pouvez nous dire aujourd'hui que tout va bien à la Fédération Camerounaise de Boxe? Equinox, c'est le meilleur média que nous avons tous parce qu'il dit la vérité. En ce qui concerne la boxe, je vous ai dit que tout allait bien parce que les assemblées étaient en train de se poursuivre. Douala a fait son assemblée le 6 janvier. On avait une assemblée qui devait se dérouler aujourd'hui au sud. Bref, on a déjà eu 8 assemblées qui sont déjà passées. Dans ces 10 régions, il y a déjà 8 qui sont déjà passées. Mais cependant, il ne manque pas de quoi, parce qu'il y a le camp d'en face qui ne cesse de camp. Le camp d'en face, c'est l'exécutif sortant. Ouais. Le président était. Le président Medouga. Qui lui, entre-temps, est président de la Confédération africaine de boxe. Est président de la Confédération de boxe et qui veut toujours rester président de la FECA Boxe. Voilà. C'est là où il y a problème. C'est pourquoi les acteurs de la boxe ont dit on ne veut plus de ça. Si tu as gravé les échelons, mais tu restes là-bas. Tu laisses d'autres personnes postuler. Et il ne veut pas parce que ce n'est qu'à la FECA Boxe, à la Fédération Camerounaise de Boxe, qu'on peut puiser. On ne peut pas aller puiser à la CAB. Parce que là-bas, les audits se font très, très facilement. Mais au Cameroun, on peut vous donner. Vous pouvez avoir une compétition et vous faites un budget prévisionnel même de 90 millions. On vous les donne. Vous prenez, vous mettez en poche, vous faites tout ce que vous voulez et vous amenez quelques 5 compétiteurs. Alors que ce n'est pas normal. On dit qu'on ne veut plus de ça. Il faudrait qu'ils laissent la fédération aux acteurs réels de la boxe que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas incompétents, on a un candidat. Mais si majoritairement vous êtes contre la candidature de Bertrand Mendonga, mais qu'est-ce pour
pourquoi, qu'est-ce qui bloque justement l'Assemblée, cette Assemblée générale qui va finalement élire? Est-ce qu'il y a ce trouble jeu parce que dans certaines fédérations, on accuse la mainmise du ministère des Sports et de l'Éducation physique? Le ministre n'a fait que donner les directives. Ministre n'a pas de mainmise sur la Fédération camerounaise de boxe de l'heure. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Aujourd'hui, c'est Mendouga qui bloque parce qu'il y a un, ils n'ont pas voulu donner les textes adoptés le 1er novembre à l'Assemblée générale extraordinaire que nous avons faite à Yaoundé. Ils se sont assis sur les textes. Après, ils ont envoyé des textes non signés, ce qui fait que les ligues, surtout à Douala, le délégué n'a pas cautionné cela. Il a demandé les textes signés. Ils se sont assis sur ça. Néanmoins, le président de la commission s'est rendu à Yaoundé. La situation s'est décantée et on a poursuivi à faire les assemblées. Donc c'est le président sortant qui bloque les assemblées. Actuellement, il est en train de faire ses soi-disant assemblées extraordinaires encore, alors que présentement, c'est la commission électorale indépendante qui doit poursuivre son chemin. Alors, je rappelle qu'il y a l'épée de Damoclès de la Fédération internationale. Parce que là, il vous faut un président à la tête. Il y a une question qu'il faut pouvoir vider. Est-ce que l'élection du président, d'un président de fédération à la confédération, le déchoit de cette... Selon les textes. Il n'y a pas d'incompatibilité. Pour lui, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais que prévoient les textes? Est-ce que les textes vous disent que si vous êtes déjà président... Vraiment, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas aller tout droit. Moi, je connais ce qui se passe dans la boxe. Le président Bertrand doit laisser sa boxe. Je suis le dernier reporter après, qui a eu à faire le reportage sur les trois boxeurs qui allaient aux Jeux Olympiques. Au stade de l'unité qu'on a fermé après moi. Ouais. À Yaoundé. Je dis bien, je suis le dernier à avoir fait le stage. Où les gars étaient abandonnés. Voilà. Il n'y a même pas l'eau à boire. J'ai sorti de mon argent, ils sont là, ils me regardent. J'ai sorti de mon argent pour remettre à ces boxeurs qui étaient en stage bloqué pour le Japon, je crois bien. Ils allaient, ils allaient au Japon pour. C'est inadmissible ça. Et je vous rappelle ce plateau. J'ai cette chance aussi que je suis allé faire un reportage sur Dongo et Banga. Le médaille olympique. Il m'a dit, Narcisse, imagine-toi un seul instant que moi, Ndongo et Banga, je sois là et que le président Bertrand Mendouga ne fait rien pour mettre dans l'encadrement parce que je suis le premier médaille au moins. Rien n'a été fait. Pendant le stage, excusez-moi de vous le dire sur le plateau, c'est pas pourquoi il refuse. Non, ce n'est pas le coach national qui a encadré les trois boxeurs qui allaient aux Jeux Olympiques. Lui, on l'a mis dans l'avion pour aller retrouver les gars là-bas. Il me regarde, il sait de quoi je parle. J'étais sur Yaoundé. J'ai fait ce reportage-là. Ce n'est pas l'encadreur technologique. Le coach arrive après. C'est le coach locaux, le temps de l'unité, qui ont encadré ses enfants sans même dire l'eau à boire le transport. Il dit, j'ai sorti de mon argent. Pour les remettre, je crois que c'était 5 ou 10 000 francs au boxeur là. Mais inadmissible que les mêmes personnes, quand vous appelez le coach. Le coach ne peut pas appeler le président. Il ne s'entendait pas. Il y a des problèmes à l'intérieur de cette fédération. Le président ne prend pas le téléphone. Je sais de quoi je parle. Dans le passé, moi, je le connais parce que dans le passé, j'ai couvert des trucs avec lui. Mais j'ai dit c'est inadmissible qu'on laisse une nouvelle génération tenter la chance. Parce que dans ce problème, c'est le boxeur qui en souffre. Voilà. C'est inadmissible. Voilà. Mais non, qu'on arrête. Allez, donc... Il peut toujours être là. Alors, donc, pour... Finalement, on décide quoi là? Vous décidez, on continue le combat, la commission poursuit son chemin malgré les bâtons dans les roues. La commission poursuit son chemin jusqu'à terme. Nous allons faire les élections fédérales et nous allons évacuer Mendouga. Voilà. Ils ont refusé, la date n'est pas encore arrêtée, mais je crois que d'ici la fin de ce mois, ça va se passer. D'accord. Allez, on va revenir, on reviendra évidemment sur cette actualité-là. On va parler, puisque demain, il y a le lancement de la Guinness Super League. On va vous donner un mot tout à l'heure pour conclure justement sur la discipline-là. Il y a le lancement de la Guinness Super League demain, samedi, avec les matchs annoncés à partir de 14h. Voilà, à partir de 15h, le Guinness-Sico. Ce sera à partir de 15h au stade de Mouaïkele entre l'Équifille et Éclair de ça. Et puis la suite sera dimanche 15 janvier à partir de 15h. Authentique FC
sera face à FC Boulevard. Ce sera au stade annexe ici à Bupanda. Et puis à 13h du côté de l'annexe A à Olembe, Eding de la Leke sera face au Canon de Yaoundé. Et puis à 15h toujours à l'annexe A, Amazon FAP sera face à Louvre Mimprof. À 13h au stade Ngouaïkélé, AS Fortuna sera face à Gade Fille. Et puis à 15h, AS Awa sera face au Caïman Club de Douala au stade de Ngouaïkélé. Voilà les combinaisons de la première journée du championnat de la Guinée Super League saison 3. Le Guinée-Sico, on l'oublie pas, ce sera demain 15h au stade de Ngouaïkélé. Voilà, on va embrayer avec l'élite tout, avec les matchs également programmés pour la 9e journée. On va rappeler d'abord les scores de cette 8e journée. Bon, on va rappeler d'abord la 9e journée puisque c'est affiché sur le tableau. 9e journée donc annoncée pour demain samedi. Ça commence demain samedi 14 janvier avec le match entre Léopard et Fontia Street. Ce sera du côté du stade de Bonamou Sadi à partir de 15h demain samedi. Et puis dimanche, la suite, ce sera au stade municipal de Mélan. L'aigle royal du Mungo qui se porte très très bien en ce moment et qui n'en finit pas d'enchaîner victoire après victoire sera face à la Dynamo des Douala qui sort sur une défaite. Voilà, au stade de Bamendi à 15h, ce sera le match entre le Racing Club de Foussam contre ASFA. À Niété à 15h, Oftal Ekremi sera face à Victoria United. Le Tonnerre Kalahar Club de Yaoundé sera face à Stade Bertois au stade Amadou Aïdjo à 13h. Et puis à 15h, AS Lausanne sera face à l'Unisport du Honkam. Les Rangers de Bafout qui seront exempts lors de cette journée. Voilà ce qu'on peut dire sur les matchs de ce week-end en élite, que ce soit en Guinness Super League et en MTN Elite Tour. On vous invite donc à aller dans les stades suivre ces différentes rencontres. Voilà, on va sortir par monsieur le président de la Ligue régionale de natation littorale. Un dernier mot, si vous aviez un mot à l'endroit de tous les nageurs, de toutes les nageuses, de tous les fans de natation. Qui vous écoute? Oui, c'est que j'appelle ceux qui sont les formateurs, Elhadj Roland, le président national, avec M. Guichet, qui font beaucoup par rapport à la natation au Cameroun. Et que nous voulons dynamiser la natation. Et que nous voulons mettre le nageur toujours devant. Donc, notre cible, c'est le nageur. Et le 25 février, donc, que les gens viennent. Et que même ceux que nous voulons, donc, en tant que sponsors, tous ceux qui veulent voir ce qu'on appelle la natation, le 25 février, voilà. L'ouverture de la saison, donc, ils vont comprendre que les choses vont changer. OK. Ça va changer. Allez, on va vous souhaiter bonne chance à la tête de la Ligue du Littoral. Ah, merci. Allez, Bobby, merci d'être venu. Voilà, vous êtes parti de Yaoundé, je le disais. Un dernier mot, voilà, à l'endroit des tours. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Tout ce que j'aimerais dire à M. Mdouga, qu'il dépose et qu'il laisse la boxe tranquille. Mm-hmm. Il n'est pas appelé à être président d'Africa Box. Parce qu'il n'a rien fait pour la boxe depuis plus de 10 ans. Il ne fait rien à la boxe. Avec son ami Calon, ils se sont amplifiés, engouffrés l'argent qu'on les a donné. C'est à moi. Qu'il m'excuse, ça c'est les bandits. Ça c'est les bandits patentés. Bon, allez, on va pas. Voilà, on va pas exagérer, voilà. Allez, on va. Narcisse Oum, on va sortir. Oui, on va sortir tout simplement. Moi, j'ai apprécié la sortie du nouveau président de la Ligue régionale de natation qui met les acteurs en première ligne de son mandat. Je crois bien ce qu'il a dit. Ouais. Et je déplore aussi le fait que le président de quoi, qui dans le passé, je dis, il a mis de son argent, il a mis de son sang, il a mis son temps, il est sorti de l'Africa Box, il est revenu, mais cette fois, ça n'a plus marché. Je pense tout simplement que maintenant qu'il est africain, comme on dit à l'international, ouais, qu'il laisse la place aux jeunes pour pouvoir voir ce qu'ils pourront faire. Donc, je tiens à la Box parce que j'ai cette chance que j'ai tourné, j'ai fait beaucoup de reportages, que ce soit le. Mais déjà Marie, que ce soit Bessala, que j'ai à l'époque dernier de portage, je suis avec lui, le monsieur là au Mispo de Yaoundé. J'ai jubilé même, j'ai eu cette chance à couvrir au palais de sport, pas au palais de sport,
Alors, comment on l'appelle? Par le camp de l'unité. Non, pas par l'unité. Comment on l'appelle? Par le congrès. C'est par le congrès qu'il a fait. Ils ont jubilé à l'époque. J'étais présent. Grâce à son excellence ou bien à sa majesté, Sissi Maké, j'ai dit bonsoir ce soir. C'est lui qui m'a introduit. Donc, je demande au président, je sais qu'il a versé de son sang, son argent et son temps à l'époque dans la boxe. Ça ne donne plus. Parce que ce que j'ai vu quand Yaoundé, quand les enfants se préparaient pour les Jeux Olympiques, j'ai eu les larmes. Okay. Donc, je voudrais, je souhaite, hein, je ne suis pas électeur. Vous parlez comme Bobby qui le dépose. Qui dépose. La gestion financière, je suis mal placé. Mais ce que j'ai vécu au camp de l'unité avant qu'on ne ferme, parce qu'après moi, deux jours après, on a fermé, je déplore et je souhaite qu'il laisse tomber. Merci, coach Zeko, une fois de plus, pour votre expertise dans cette émission. C'est moi qui suis honoré et très heureux ce soir d'avoir été. Allez, merci à toute l'équipe de production, Eric Ouattat, Carlos Minoué, Dallas Tchana, Fabrice Elomo. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle à ce programme Horizon Sport. On vous donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.